Coucou tout le monde, en 2017, je vous avais fait une vidéo room tour de ma chambre. Donc en fait, je l'avais fait, puis un coup, je me suis dit pourquoi pas la poster sur ma chaîne YouTube. Et c'est comme ça qu'a démarré ma chaîne YouTube. Et là, j'ai pour projet donc de refaire ma chambre, de toutes la réagencer. Donc ceci n'est pas encore fait, alors je me suis dit bah, pourquoi pas faire un avant. Après, bon bah c'est parti. Donc là, il y a mon bureau, il y a ma tablette, mes feutres, ma gourde, il y a un paquet de mouchoirs. Il a dit d'enlever le piétonné, et du coup, il y a mon piétonné qui est tombé récemment. Il y a mes bouquins. Alors avant, les bouquins, c'était de deux piles. Hein. Elles étaient là où il y a la boîte à mouchoirs, plus là. Là, j'ai donc le livre que je le lis, plus le Waxy One. Et là, j'ai changé ma boîte parce qu'en fait j'avais une boîte noire avant, j'avais fait avec une éducatrice. Donc là ce que j'ai fait, j'ai pris des bannettes. Donc voilà, hein, il y a tout dedans. Là franchement c'est vraiment bien dedans. Il y en a dessus aussi. Il y a aussi ce que je vous avais dit, j'ai une lampe orange. Alors, si vous vous souvenez de la lampe que je vous avais fait la vidéo, de la lampe d'équipe relais handicap rare, là j'ai trouvé exactement la même. Enfin, c'est pas tout à fait la même, ouais, c'est sur le même modèle, mais pas tout à fait. C'est une lampe de couture que j'ai achetée sur Lidl. Là par contre, il n'y a qu'un seul bouton, donc je ne peux pas changer l'intensité. Là il y a aussi ma télé. Là par contre la télé, il faudrait que je la fasse relier à l'antenne principale de la maison. En ce moment je regarde la télé sur la tablette parce que rien ne marche. J'ai aussi mes étagères où il y a les bouquins du fond et il y a l'antenne, il y a tout dessus. Il y a mon placard aussi avec la photo de Lilian Renaud qu'on a mis donc à la place des princesses. Juste à côté il y a mon étagère multimédia, il y a Louane. Il y a des photos, il y a manger aussi dessus, il y a mes pochettes à CD, en dessous il y a mon Chromebook. Attends, c'est bon. Là, il y a tout ce qui est, donc là c'est tout ce qui est lecteur DVD, chargeur de roue électrique. Et là en dessous, c'est tout ce qui est OxyWeb. Là, il y a mes chaussures de verticalisation. C'est pas l'énergie, je vous les montrerai. Voilà, ma porte, elle n'a pas changé, il y a juste Patrick Bruel. Là, il y a Mozart et des cadres de fleurs. Voilà. Ils avaient fait le room tour, le lit était en vrac. Alors, en l'occurrence, comme vous le voyez, c'est un lit électrique. Il y a ma table de nuit, il y a des mouchoirs, il y a des sacs à main dessus. En dessous, il y a un sac à main. Voilà, il y a vraiment, il y a mes câbles. Là, voilà, c'est la vue qu'on a depuis ma chambre. Là, je voulais montrer pour tous ceux qui aiment bien, en fait, où il y a la salle de bain. On a mis au tout début, donc il y a un cache-vitre. Voilà, je vais vous mettre comme ça, ce sera mieux. Et franchement, vous en trouvez chez Action ou chez Leroy Merlin. Voilà, c'est mieux, j'avais grossi le truc. Franchement, ils sont trop trop beaux. Après, ce qui est bien, c'est que c'est aux folles affaires. Il y en a aussi, j'avais vu. On en a qui se coupent au mètre. Donc vous demandez ce que vous voulez, la dimension que vous voulez, et après et franchement ils vous le coupent au mètre. Donc franchement là c'est uniquement pour qu'on ne voie pas sous la douche. Là j'en profite, il y a Louane et Mera. Là il y a toujours les abeilles de Lilian Renaud de 2013. Il y a pas Lilian Renaud dessus. Il y a un brumisateur. En fait, moi, j'ai des brassettes de pierre. Donc, il y a pour mettre du sel, pour les saler. Donc, je les mets salés une nuit, je les charge une nuit ou l'inverse. Voilà. Et je les mets sur ma fleur de vie. Il y a mon radiateur qui n'a pas changé. La salle de bain, on fera après. Là, il y a comme l'étagère multimédia qui a changé. En fait, avant, c'est une cuisinière qui avait maison Playmobil. Donc là-bas, il y a mes sous. Là-dedans, il y a mes jeux et un sac à main qui fait réparer. Là-dedans, le truc violet, c'est la pharmacie. Et la rose, c'est des jeux.
Là-bas en dessous, sous le bureau, il y a tout ce qui est bac à plat, tout ça. Et là maintenant, on va passer à la salle de bain. Voilà, le seul truc qui a changé, c'est la chaise percée. Parce que je suis passée avec des roues électriques et quand vous avez fait le room tour, j'avais pas encore la chaise percée actuelle. En franchement, c'est une grosse chaise percée, hein, mais vous imaginez la douche, c'est la même. C'est, elle a pas changé, hein, la douche par rapport au dernier room tour. En fait, dans la salle de bain, rien n'a changé à part le bac de la salle. Il n'est pas vidé encore, il est plein. Voilà, il n'y a que le tapis qui a changé, que je vais vous remettre. Voilà, celle-là, on me voit moins par contre, je le précise. Voilà. Donc là, voilà, il y a le meuble haut, l'étagère. Le meuble est tellement bien qu'il y en a jusqu'au-dessus. Là, il y a mon armoire à chaussures. Et là, donc, il y a pour ceux qui n'ont pas vu, qui connaissent pas notamment toi, mais ils en saisissent, mes nouvelles chaussures orthopédiques. Donc là, c'est la droite, avec marqué dessus Energy It's Music Only. Après, c'est vrai qu'elles sont rouges et blancs. Donc, faut que je les nettoie. Elles sont un peu salies. C'est plus la gauche qui se salit plus. Voilà, j'ai pas enlevé mon truc de téléphone. Voilà, pour ceux qu'ils voyaient bien. Après, elles sont faites du début d'année. Donc, voilà, c'est, hein, c'est des chaussures comme des autres, hein. C'est juste que celles-là, elles sont faites pour le fauteuil. C'est pas en inégalité de longueur, tout simplement. Voilà, là, il y a mon étagère avec tout. Là, il y a mon toilette avec ma poubelle. Mon étendoir à serviette, il est vachement bien. Ce qui tient, du coup, à côté de la vasque. Après, ceux-là, je sais qu'ils peuvent être faisables en 3D, mais bon, il faut bien avoir de quoi à le fixer. Voilà ma vasque. Il y a un grand toilette aussi, ouais, ça va, c'est pas trop mal rangé. Et donc, ce que je vous disais, la douche, elle est faite comme ça. Donc là, le truc gris que vous voyez, c'est ma grosse chaise percée. Donc, je l'ai eu en 2017, 2018, ouais, bah, quand j'ai eu les roues électriques, en fait. Vu que ça fait depuis 2017 que j'ai mes roues électriques. Donc, en fait, pour vous montrer, une chaise percée comme une autre, hein, elle a des roues. Voilà, c'est une chaise percée comme une autre, hein. Voilà, les accoudoirs, ce qui est bien sur celle-là, c'est qu'ils sont amovibles. J'enlève pour mettre un sphérié, ce qui est un peu grand. Là, voilà, c'est amovible. Là, on peut y aller tout avec le gommage, l'intima avec tout. Voilà, les bords manuels pour une douche. Après, la douche, elle est comme ça. Voilà. Après, le carré de douche, ça prend un peu de place dedans. Donc, en gros, quand je suis mise comme ça, il y a que moi qui tiens avec la chaise percée. Voilà, et donc, voilà, et ma pochette qui est par terre. Donc là, c'est ma chambre avec les cadres que je vous disais. Voilà, les princesses, les cadres, il y a Romosor de l'autre côté. Après, mon lit, c'est un lit électrique. Sous le lit, il n'y a rien. Voilà, après sous les étagères, il y a mon livre de coloriage. Il y a mon ballon de 18 ans aussi, celui-là, vous ne l'avez pas vu. Bon, bah, j'espère que ce room tour vous a plu. J'espère que vous me voyez bien là aussi, parce que je suis pas en mode selfie, hein, je suis en mode simple. Et j'espère que ma chambre va être vite refaite comme ça. Je voulais vous faire un avant-après pour un peu vous expliquer le dessin qu'un conseiller technique m'a fait. Le bureau sera à la place du radiateur. Le placard à la place de ce que je vous ai montré, bureau et le bureau, en fait, le lit, il sera fait à l'envers. Et la télé, on avait dit qu'elle sera vers le lit, pas loin du lit, en fait. Donc, est-ce que le placard, il sera beaucoup, beaucoup mieux agencé?
En fait, là, actuellement, il est tous les trois. Franchement, c'est régulièrement le bazar dedans. Même les placards de Belfort, ils étaient mieux faits, ils étaient plus larges. Franchement, je vais vous montrer. Voilà. Alexandra, si tu regardes la vidéo, là, c'est le bas que le tiercet. Nous a été envoyé récemment. Voilà, s'il y en a un de RHR qui voit. C'est équipe relais handicap rare, ils sont sur Besançon. Et ils sont aussi sur toute la France. Je sais qu'il y en a certains qui ont des chaînes YouTube. Ceux de Besançon n'ont pas de chaîne YouTube. Voilà, je fais de la pub aussi. J'en profite pour faire une pub pour l'association Faire Savoir FAIRE, espace CA, espace voir, le mot voir, VOIR, sur Facebook. Alors n'hésitez pas à aller, il y a un podcast qu'ils ont partagé eux sur leur page Facebook. Ils sont passés il y a une semaine sur Fréquence Plus. Ce petit sien m'a même notifié. Il était content qu'il y ait partagé. Donc, c'est tête carrée, allons-y soigner. Si vous y allez, vous dites que c'est de ma part. Si vous vous souvenez bien, au mois de juillet, je vous ai fait une démonstration de Woxi One. Donc, il y a première partie 18 minutes, deuxième partie 52 minutes. C'est marqué dessus, partie 1, partie 2. Donc franchement, allez la voir, et le Woxi One, il est achetable par l'opticien. Par contre, l'opticien n'aime pas qu'on voit chez le fournisseur en direct, puisqu'il gagne moins de sous. Voilà, après le Woxi One, il est achetable sur Internet, mais le souci, c'est que vous n'avez pas les 50 étiquettes, le support et tout ce qui va avec. Quand vous l'achetez par le biais de l'opticien, vous avez un an d'abonnement offert. Vous dites, je suis déjà abonné, et après, c'est tout des manips à faire. Mais après, par contre, à partir du deuxième année, vous payez 99 euros tous les ans, mais c'est annuel, donc ça va, c'est pas trop cher. Après, c'est Woxi One, vous recevez une alerte un mois avant, comme quoi votre abonnement va bientôt expirer. Donc, ce qui est vachement bien, je retenais là, j'avais quand même la date en tête, mais ce qui est vachement bien, du coup, c'est que j'ai pu renouveler mon abonnement mi-juin. Voilà, après, ils vendent beaucoup de choses comme ça. Après, il fait beaucoup pour la DMLA. Il a sorti des verres de lunettes, notamment. Je ne sais pas si vous voyez mes yeux, comme ça clignote. C'est surtout à droite que ça se voit. À gauche, par exemple, la caméra, je la vois bien. À droite. À droite, ça bouge. Voilà, à gauche, ça va, mais à droite, ça bouge. Voilà, franchement, dites-moi en commentaire si je clignote. Le litage, j'espère que tu verras aussi ça en tour. C'est vrai que je t'avais dit, il n'y a pas de photo de ma salle de bain. Voilà, maintenant, c'est fait, il y a carrément la vidéo. Ma foi, bonne soirée, bonne semaine et à la prochaine. Et on se quitte sur une princesse.